Printemps Kabyle 80, 2000, 81 et 2001. Nous avons entamé cette énième marche aboutissant devant ce triste consulat de ce triste pays appelé Algérie pour commémorer la résistance du peuple kabyle à travers ses multiples printemps contre la terreur multidimensionnelle du régime militaire dictatorial algérien. Comme chaque année, autour du 20 avril, nous avons entamé cette marche pour rappeler à cette bande d'imposteurs et d'usurpateurs que sont la poignée de généraux sanguinaires et leurs marionnettes changeantes, Tebboune pour cette année, le non-élu. Nous sommes ici pour dire que la Kabylie n'a pas oublié et n'oubliera jamais les 128 vies fauchées à balles réelles et explosives. Que la Kabylie n'a pas oublié et n'oubliera jamais les milliers de victimes de vos mutilations à vie et à qui vous avez même refusé des soins, même à l'étranger. Nous sommes ici pour rappeler que la Kabylie n'a pas oublié et n'oubliera jamais les 250 victimes que vous avez brûlées vifs l'été 2001 avec vos drones. Nous sommes ici pour rappeler que la Kabylie n'a pas oublié et n'oubliera jamais les milliers qui ont survécu à votre terreur incendiaire, mais brûlés au troisième, deuxième degré. Nous sommes ici pour vous rappeler que la Kabylie n'a pas oublié et n'oubliera jamais les centaines de Kabyles que vous avez kidnappés avec vos milices
et qui croupissent encore à l'heure actuelle dans les geôles que vous avez héritées de vos maîtres, la France coloniale. Nous sommes ici pour vous rappeler que la Kabylie n'a pas oublié et n'oubliera jamais votre projet Zéro Kabyle qui est en cours d'exécution. Alors, face à toute cette terreur, qui sont les terroristes? Nous ou vous? Nous qui portons pacifiquement nos revendications à coups de slogans et de drapeaux, ou bien vous, usurpateurs et imposteurs de l'État algérien qui assassinez nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents et nos grands-parents? Vos accusations de terrorisme à notre égard, nous militants pacifiques, font rire la planète. Vous ne nous faites pas peur, ni avec vos accusations farfelues de terrorisme, ni avec vos mandats d'arrêt. Le MAC est plus grand que vous. Il vous dépasse. Grâce au MAC, la marche de la Kabylie vers son indépendance est irréversible. Jamais, au grand jamais, vous réussirez à nous faire marche arrière. À la face de ce pouvoir algérien mafieux illégitime, représenté par le consul et le couple Gatoshin-Gelehaït-Boun, nous disons « Vive la Kabylie libre et indépendante et vive Farhat Mehni !» تبقنا بمشاف مطازيس خنوي دي صوب سفري دي وكن أدينيم سيل ليني محباس أدينيم أفراني مان إثمور فقديليف أدينيم سيل ليم يوغر فقديليف نوان غير ويد حكمن تموس النام ويد يستعمر تموس فقديليف هذه هو محرسان دي ثمور فقديليف يغير لميدي السبس الغراب راف يمزنن راف يقبيليين ضعا ما كان يمغليسن نكوني وانت متفالة نظر القجار يلي دبزو اما كان يظلين من سنة غميان فرنسا نوان يرميين زين سفوت لا ريزيستانس دي سبورس سلول لا ريزيستانس دي الغوربة نكوني امن نوغنا تكتنا يويدي اللان دي الحبس تكتنا يويدي موتن نهار ستمس ونزلنا من عدان اكتنا يويد يموتن جنتنا دمسن في الكوفيد وغينا دا السمناوي دوياس بهم اثيكلينا غرسل الليم تين وريح بالسنرا وثيكلت خل المساقين كاف تيني ديفقنن لكن على السيوض على السيوض غير يسويهم de lutte, de combat de Kamira Naït Saïd, co-présidente du CMA, Congrès mondial à Mazir. Garde Francis, donc le discours Inno. Je vais me présenter en tant que membre de l'Amitié Québec et l'association Amitié Québec Kabylie. Moi je vais dire que pourquoi nous y sommes ici, là aujourd'hui? Parce que quelque part sur cette planète, quelque part sur cette terre, il existe un peuple parmi d'autres qui depuis bien longtemps milite pour son identité, son existence et résiste face à un régime autoritariste qui use de tous les moyens, y compris les plus violents, pour faire disparaître sa langue, sa culture et son identité, donc faire disparaître son existence. Vous ne pouvez pas le faire. En effet,
ainsi depuis une quarantaine d'années que les Kabyles manifestent dans les espaces publics pour rendre hommage aux mémoires des innocentes victimes de la répression militaire, qui a eu lieu lors des tristes événements du 20 avril 1980, qui ont fait la une des médias internationaux et qui se sont reproduits les 20 avril 1981 et 2001. Une répression qui a endeuillé des centaines de familles à laquelle se sont associés les islamistes dans les années 90. On se rappelle de Nabila Djanine, tuée par ces gens-là, et qui a repris son cours depuis l'année passée. Et ce, dans l'insouciance internationale totale, des dates historiques qui symbolisent la résistance, la résilience de tout un peuple, le peuple kabyle, qui a tant enduré au fil des temps. Atas et Ben Tfouyef. En 80, la culture et l'identité kabyle a été la cible du régime militaire algérien en interdisant la tenue d'une conférence que devait animer le grand écrivain kabyle Mouloud Mamri, assassiné par la suite et des activités artistiques. La nuit du 19 au 20 avril, à l'heure où les étudiants de l'université dormaient profondément, une violente intervention des troupes anti-émettes avec des chiens et matraques ont usé de leur pouvoir pour les déloger. Résultat, plus de 500 blessés admis à l'hôpital, dont quelques-uns avaient même perdu la raison. Sans oublier l'agression des étudiantes kabyles par les anti-kabyles lors d'une soirée culturelle. S'en est suivi, bien sûr, des emprisonnements des leaders politiques et des personnes engagées, parmi eux, M. Farhat Mehni, le président actuel du GBK, gouvernement provisoire kabyle. En 2001, la gendarmerie algérienne avait tiré avec des balles explosives sur les jeunes manifestants pacifiques qui voulaient dénoncer publiquement l'assassinat d'un de leurs semblables, en l'occurrence Guelmah Massinissa, par des forces militaires. 128 d'entre eux ont perdu la vie, sans compter des milliers de blessés. Lors de ces événements, j'étais au front aux côtés des militantes, dont la coprésidente du CMA, Mme Kamila Naïti, d'aujourd'hui incarcérée injustement dans une prison. Pour offrir aux fêtes incarcérées dans les prisons. Ce qu'on avait fait, c'est on voulait offrir de l'aide et assistance aux victimes en attendant l'arrivée des infirmières ou des infirmiers ou leur transfert vers des hôpitaux. En tant que témoins de ces malheureux événements, nous avons alors décidé de créer le collectif des femmes kabyles dans le but de dénoncer l'injustice qu'on venait de vivre, de subir.